Alors aujourd'hui, donc on a fait, depuis ce matin, on a ouvert les portes aux personnes qui doivent intégrer le dispositif zéro chômeur. Donc on a des personnes qu'on n'avait pas pu recruter en mars, la première vague de recrutement. Il y en a encore 40, il y en a 10 qui sont en formation ici à Actipôle sur le service à la personne, la retouche. Et puis on propose aussi d'autres dispositifs aux personnes qui sont en attente de pouvoir intégrer, de travailler sur la mobilisation, sur la recherche d'activités, sur l'émergence de projets, avec comme finalité bien sûr d'intégrer l'entreprise à but d'emploi. Donc l'activité c'est quoi? C'est de travailler avec un certain nombre d'entreprises, de particuliers, qui nous donnent du matériel et nous on le réhabilite, on change les pièces et après on les vend à des particuliers. On peut faire de la réparation, des sauvegardes, des récupérations de données. Et un peu de formation. Je m'appelle Madame Froment, Josiane. Donc mon fils c'est Arnaud, qui a commencé à Actipôle donc, le 1er mai. Il a signé son CDI. Et ça lui a changé la vie, hein, pour une bonne raison, c'est qu'il était agent de sécurité, il travaillait à Clermont-Ferrand, 25 heures par semaine, donc ce qui ne permettait même pas de payer le loyer. Tandis que là, ça lui permet de retomber sur réapprendre quelque chose, réapprendre un métier, réapprendre à vivre, à être bien, avoir de l'argent, pouvoir s'acheter, changer sa voiture, prendre un appartement. Et puis là, moi je suis arrivée, il n'y avait rien de fait, et aujourd'hui... C'est incroyable le travail qu'ils ont accompli, c'est phénoménal. Sur l'activité bâtiment, pour l'instant, il y avait énormément de travaux à faire à l'intérieur du bâtiment, notamment toute la salle que vous avez vue là, sur laquelle vous êtes rapidement passé, qui était à refaire, le plafond à refaire, tout à refaire. Je m'appelle Madame Lesquer-Simone. Avant, j'étais agent d'entretien polyvalent au lycée Jean Zé. Zéro chômeur, c'est ma fille et mon gendre qui l'ont démarré avec Madame Laure. Je suis venue par rapport à Pôle emploi. J'y suis inscrite et j'attends qu'ils me libèrent une place pour moi. Moi, je voulais me lancer dans l'aide à la personne. J'ai fait la visite et c'était très intéressant parce que j'ai vu qu'ils avaient des locaux qui n'étaient pas en très bon état et ils ont tout rénové. Et vraiment, c'est fabuleux ce qu'ils ont réussi à faire. Ce qu'on veut, c'est exploiter cette matière pour pouvoir fabriquer du copeaux de chauffage. Voilà, donc on est en train de la mettre en place avec un débardeur à cheval. Voilà. On rappelle qu'une partie des salaires est prise en charge dans le cadre d'un fonds financé par l'État, par les comptes publics. Le fonds, c'est une ressource financière. Notre métier, c'est à la fois de financer, mais c'est aussi de conseiller les entreprises à but d'emploi, et c'est de vérifier qu'elles suivent bien le cahier des charges prévu, pour que ce soit de la création d'activité. Et la deuxième chose, c'est l'exhaustivité. C'est-à-dire que véritablement, il y a un développement suffisant pour que, au bout d'un temps de quelques années, tous les chômeurs de longue durée qui sont volontaires, ce soit effectivement, parce que comme on en disait un mot il y a un instant, c'est très dur pour ceux qui voient que les autres travaillent et qu'eux ne travaillent pas. Donc il faut réduire cet écart-là le plus rapidement possible. Et puis, on aura un travail plus sympathique qui est de faire le bilan de tout ça et de montrer que tout ça coûte moins cher que de payer des indemnités de chômage, du RSA, des allocations de solidarité à ces personnes qui sont sans emploi. Donc au total, on arrive à faire beaucoup mieux en ne dépensant pas plus d'argent. Je te retiens alors. Il a vraiment reculé. Voilà, donc là, après, il y a Dounia à la comptabilité. Voilà. Ce que j'en attends aussi que les salariés soient fiers de leur outil. Et le regard extérieur nous permet aussi de voir finalement tout le chemin qu'on a accompli. Et donc, du coup, j'avais aussi envie que voilà, les personnes extérieures reviennent nous voir et nous disent ben, « vous en avez fait du chemin » et que les salariés puissent l'entendre et le voir parce que ça rebooste, ça redonne, voilà, finalement ça remet la confiance du travail qu'on arrive à faire. Tiens, bravo à Actipôle.